a certainement mon film préféré qui est le Chantons sous la pluie, qui est vraiment un film de grand, grand spectacle, tant dans sa panavision que son technicolor et les chorégraphies et la musique. C'était Bébert et l'omnibus qui m'avait fasciné parce que j'étais un enfant et cet enfant qui faisait un peu les 400 coups m'avait vraiment donné. Quoi. C'était la magie du cinéma, c'est la première fois que ça m'a vraiment atteint. Bah, c'est un film qui représente le patrimoine parce que c'est la Dolce Vita. Voilà. Sûrement, mon premier film, c'était Les Rapaces d'Éric von Stroheim, que j'ai vu à la Cinémathèque française dans une petite salle comme ça. Et je me suis dit, mais c'est dans le cinéma, on peut avoir des tragédies aussi. Donc j'ai décidé de faire du cinéma. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Le premier film que j'ai vu, mais il m'a fait tellement peur que j'ai hurlé et j'ai quitté le cinéma en pleurant. C'était un film dans lequel jouait mon père qui était le premier film sur Tintin, ça s'appelait Le mystère de la toison d'or. Et ça m'a complètement terrorisé. Alors il a fallu que je lutte pour revenir vers le cinéma parce que mon premier contact avec le cinéma était absolument épouvantable. Je ne sais pas, Je vous interdis, qui m'avait absolument bouleversée en passant par... La rose pourpre du Caire de Woody Allen, parce qu'il y avait ce passage entre la fiction et la réalité, enfin. Je crois que me sorprendieron mucho los hermanos Lumière, porque vi una especie de pequeños cortos que hacían sobre los oficios, no, les boulangers à la sortie de l'usine. Et j'étais fascinée de penser simplement que c'était la première fois que je voyais une espèce d'images qui pour moi étaient comme une naissance, non, du cinéma.